Donc rappelons-le, Wizard contre Nemesis. Donc les Wizards en défense en bleu, Nemesis en attaque en rouge. Et il y aura une pause qui va arriver. Il devra arriver. Yes, effectivement. Du coup, Wizards en défense, ça va partir sur le Reinhardt Zarya. Là-dessus, pas trop de surprises, j'ai l'impression. Et pour les Nemesis qui seront du coup en attaque, on va avoir sa manière de partir sur également un Reinhardt Zarya. Enfin, du moins, c'est un début de Reinhardt Zarya. En tout cas, sur leur attaque, Kuya sur... Alors... Est-ce que tu penses vraiment que Kuya et Carvarosku vont rester sur le Orisa? Tu peux partir sur une Orisa sur King's Row en prenant le contrôle de la statue, mais c'est relativement risqué et c'est beaucoup mieux de partir sur un Reinhardt Zarya classique. Ou alors carrément une triple tank, ce qui m'a l'air d'être le plan des Nemesis pour l'instant, avec Ice sur ce chopper et Carvarosku sur le Junkrat pour contester justement le Junkrat en face. Et une triple tank, ça pourrait potentiellement avoir beaucoup plus de potentiel de poke qu'un Reinhardt Zarya Junkrat en défense sur King's Row. Alors on va faire attention parce qu'il y a les traps qui sont déjà placées plutôt de manière, genre juste à côté du bus, c'est de manière assez, assez visible. Donc ça risque de se faire deny, ça permettra au moins d'attirer l'attention. Derrière, on aura Carvarosku qui va avoir des hauteurs, donc pour envoyer directement ses premières bombes des hauteurs. Et là, ça va être la bataille de Shield. Kuya qui lâche le récent pour partir sans Reina. Et c'est parti, les portes s'ouvrent. Carvarosku est sur la hauteur. Le travail de spam commence. Ça va être au premier Shield à tomber. Pour la différence. On a Otax du côté des Wizards qui a pris les hauteurs et qui va faire le premier kill. Il s'est fait bien damage boosté. La res qui est envoyée directement par Repa. Et le soldat qui s'avance, il a aucun problème. Tel est qui va faire le double kill et enchaîne. C'est ça, le Reinhardt de Kuya qui se fait empaler, du coup Tel ici va faire tranquillement les dégâts là-dessus, aucun souci de sa part. C'était plutôt propre, on a forcé la reste dès le départ, derrière il y avait le DPS, le soldat 76 des Wizards qui est complètement incontesté. Forcément, débloque la situation, enfin en tout cas on empêche l'attaque d'avancer. C'est ça, et du coup le pneumatique de Tel se rapproche relativement rapidement, on va essayer de contester la hauteur, on regarde au lieu avec son soldat justement qui va aller peut-être se surprendre, mais attention, Azer est là justement pour l'aider, là ce coup c'est un duel qui a l'avantage de la défense, et oui, Otax va être forcé à tomber. Belle Rocket Elix qui est envoyé sur Otax, du coup il est descendu, mais il y avait Azer qui était là pour voir le... et Olu qui va tomber. On est sur du 1 pour 1 maintenant, Woolridge qui n'est plus là, mais voilà, forcément le Reinhardt. Qui tombe de Kuya, donc le reste de l'attaque va s'effondrer petit à petit. Woolridge qui va être ramené à la vie par Razer. Carvarosku qui a son pneumatique et dans une position qui, je crois, n'a pas été repérée. Ah, si j'ai rien dit, c'est très repéré. Carvarosku va devoir reculer, mais ouais, dans une pénasse là. Et ouais, Otax va prendre le kill en décalé. Il a tenté un flank avec son 2, mais ça ne sera pas passé ici. Forcément, bah là, du coup, ça va bien embêter le reste des Nemesis qui vont être incapables d'avancer en attendant du coup ce chacal qui est de retour d'ailleurs maintenant. On a beaucoup d'ultimes pour cette défense. On va pouvoir peut-être comboter un graviton avec un pneumatique du côté de la défense, effectivement. Carvarosku a également son propre pneumatique. A voir lequel aura plus d'impact. On continue à se spam un petit peu les deux côtés. Le pneumatique d'hôtel va partir et ça va être compliqué. Le graviton est envoyé. Oh, ça a été complètement annulé alors que la visière tactique a été envoyée sur les hauteurs. On s'assure vraiment de gagner la fight. Trois ultimes ont été envoyés pour bloquer ce push. Il reste 2 minutes au compteur. Effectivement, là c'est à nouveau un team wipe de la part de Nemesis qui commence quand même à charger les ultimes. Va avoir cette transcendance et on aura l'optomatique et l'absence de plusieurs tactiques pourrait poser problème puisque Olu a son plusieurs tactiques également. Donc il va falloir trouver une opportunité pour faire une bonne défense à nouveau. Si on défend ce push, ça annoncerait du bon pour les Wizards. Olu devrait sûrement garder sa visière tactique pour la Valkyrie de Azer. Oui. Et il va falloir s'avancer, sortir maintenant de la choke. On a voilà, tellement de dégâts par le Junkrat. Otax qui est sur la hauteur, il est Discord, mais il ne va pas être focus. En plus la merci de Azer est juste à côté. Et là où Iris qui a son KD, Ice qui va se faire isoler par Otax qui va se faire récupérer. La Valkyrie de Epa qui va partir. Iris qui a toujours son KD qui pourrait partir. Epa qui va ramener toujours à la vie. Maintenant c'est au tour de Carvalho qui laisse son pneumatique accompagné du graviton. Ça pourrait faire travailler tout le monde à l'intérieur. Le Shatter est parti également. Le pneumatique de Tel avec. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on bloque tout ça. Le graviton qui était presque parfait, mais il y a eu tout ce qu'il fallait pour pouvoir le tenir. Le pneumatique qui était assez proche d'éliminer tout le monde. Et bah non, il a été complètement détruit et c'était l'opportunité en or qui a été du coup perdue par les Nemesis.
Très bien joué de la part des Wizards. Et là, on change complètement de stratégie. Un Carvarosco qui va partir sur une fatale maintenant pour ce dernier. Faramercy également. Mais il y a un soldat avec une visière tactique qui va poser problème à ce combo Faramercy. Et le graviton du Nanra est également à nouveau prêt. Ce graviton qui va avoir ici beaucoup d'impact. Olo qui commence à prendre un pareil de spam de la part de Hotax. On va faire de bons dégâts sur Vinanra. Et ça prendra pas qu'il le graviton. Et le graviton qui a été envoyé la charge sur Kouya directement. Il s'est fait en plus shield par la Zarya de Ice. Mais on tombe quand même. On a fait le kill sur Tel. Il va probablement se faire raid, voilà, c'est fait. Il est de retour, 10 secondes restantes. Ça risque d'être compliqué hein, maintenant pour toucher le premier. Il va falloir toucher, il va partir sur un dessus pour essayer de toucher avec un petit speed boost. Mais là, ils sont très très loin. En plus, vous le ride à son cadet. Et ils vont du coup rester au sol. Oh, et il va réussir à toucher. Otax, avec le plus fatigue toutefois, va perdre les dégâts. Et je pense pas qu'on pourra capturer ça d'Afox. Là, on va capturer sur la window. Starfleet. Complètement. Là, ça a été vraiment très bien géré. Le choke point, les Nemesis ne pouvaient pas sortir du choke point. Il y avait soit des gravitons, soit les pneumatiques qui partaient. Forcément, les premiers dégâts avaient été faits en faveur des Wizards. Et là, à partir du moment où ils avaient eu leur bonne macro d'ult, ils n'ont pas pu avancer les Nemesis. C'est ça, en fait. Les Wizards qui a très bien géré les ultimes justement. Il n'y a pas eu de combo pneumatique graviton. D'ailleurs c'est un combo que j'aimerais bien que les équipes arrêtent de faire, parce que c'est très inconsistant. Parce que si le pneu tombe, tu perds tous tes dégâts fait dans le graviton. En fait je trouve que c'est mieux qu'un chacal tape dans le graviton avec son clic gauche plutôt que de lâcher un pneumatique. Ouais, c'est vrai que tu peux faire presque autant les dégâts nécessaires dans un dans une transcendance du Zenyatta si tu envoies juste un clic droit, clic gauche, mine. Et... ouais voilà, clic gauche mine. Ça peut faire les dégâts nécessaires pour tuer une cible à 200 points de vie. Après, c'est vrai que envoyer le pneumatique, ça permet de faire un énorme burst qui peut permettre d'éliminer les tanks. En tout cas, d'avoir des dégâts un peu plus éparpillés s'il y a une hanche qui est proche du graviton. Et on va repartir sur la même composition que les Wizards en défense pour les Nemesis. On va partir sur le Reinhardt Zarya accompagné du Chakal de Carvarosco. Il y a un soldat pour contrôler les hauteurs. Après, Holo pour l'instant, il a pris la hauteur effectivement. Mais les Wizards Esports Club, eux, ils vont avoir une composition similaire. Ils n'auront pas forcément de quoi gérer la hauteur, mais ils pourront gérer ce qu'ils trouvent au sol. Alors attends, parce qu'on connaît pas encore la finalité de leur composition hein, du côté des Wizards. Ça se trouve, ils vont partir sur une Pharah pour tenter de boop, pour voir une fatale, hein, pour avoir la distance que Holo n'aura pas avec son soldat 76 et le forcer à descendre. Et sans les hauteurs, il pourra pas faire autant de dégâts que prévu. Ça. Pour l'instant, ça partirait sur ça. Hazer prendra sa merci. Potentiellement une sonde noire pour Otax. Non, ça va être soit un soldat. Hazer qui lâche la veille pour partir sur une merci. Et Doomfist merci, par contre. Il y a le Doomfist qui reste effectivement. Ça permettra d'éventuellement sortir le Reinhardt de sa position avec le shield pour faire les DPS derrière. Otax va commencer. Otax qui va prendre la hauteur au niveau du cinéma. Et directement, on va dans le tas. C'est Tel qui va mettre le percussion en bas avec qui va récupérer juste un 1 pour 1. Alors que Mourir s'est pris la mine. On va essayer de ramener Mourir de la vie. Va être également ramené. Et maintenant, on va essayer de gérer Otax sur la hauteur. Mais il se fait chier. Là, on a Olu qui va devoir redescendre. Mais là, la défense va tenir du côté des Nemesis. Même si on est un peu fébrile hein, du côté des Nemesis. On est un peu obligé de s'avancer pour mettre une pression. Je crois bien que tout le monde est là maintenant du côté des Nemesis. Olu qui a les hauteurs, qui va faire les dégâts constants là-haut. Carvarosco qui se rapproche d'un pneumatique également et qui a une belle position au niveau de l'hôtel ici. Le pneumatique devrait être prêt dans quelques instants. Il va falloir le gérer du côté des Wizards Esports. Le pneumatique va partir au niveau de la statue. Ça a pris beaucoup lourd dégâts et ça va être géré par Vinanra. Voilà, Otax qui meurt, Olu qui va pouvoir se débarrasser de son vis-à-vis. C'est du 1 pour 1 maintenant. Carvarosco qui n'est plus là. La res envoyée, les doubles res, les deux res des deux côtés sont envoyés. On est à du 6 contre 6. Yep. On commence à contrôler les points, la Valkyrie d'Aizer va partir, Carvarosco s'est fait récupérer après la résurrection, mais Epa a également sa Valkyrie ses besoins. Il est pas justement ici, il va lâcher la Valkyrie. Nanra n'a toujours pas ce graviton pour l'amener au sol. Mais toutefois, Kuga va se faire récupérer et Otax sur la hauteur et débarrasser l'Otax. Mais attention, le graviton est lancé avec la constance de Vap. Et ça a fait la différence ça. Et les Nemesis qui ont tout claqué pour défendre. Epa, Vav, Olu et Ice ont dû lancer leurs ultimes pour pouvoir essayer de défendre. Il y a eu un petit souci de communication derrière, parce que forcément une visière tactique ça ne sert pas à grand chose hein, dans un graviton. Oui. Et c'est tout bénef pour les Wizards qui se retrouvent maintenant avec deux ultimes, bientôt trois avec Ulrich sur le Reinhardt. Un bon shatter pourrait débloquer toute la situation. Avec un pneu surtout, Tail vient de le charger. Et un pneu avec un shatter. Par contre là comme les joueurs ne peuvent pas tirer, le pneu peut faire les dégâts. On va se poke au niveau de la statue. Ulrich cherche l'opportunité de trouver un KD. Koya a également son KD. Attention à ne pas se faire contrer.
lui donnera et aura son graviton. Ils peuvent encore gagner la fight hein, malgré la perte de Otax. En tout cas ils peuvent se charger, la Zarya de Vindandra doit se charger pour avoir le graviton. Ils sont en train de continuer à contester le point. On a Tel qui a les hauteurs, Riser qui va soigner Woolridge. Le pneumatique est envoyé du côté des bleus, le graviton qui suit, le shatter qui a été complètement bloqué juste Vindandra à l'intérieur. Et boum, double et kill ouais, sur Kuyareva. Et ça va toucher les supports dans la backline. La transcendant Dominique Kunga sera là pour assurer le tout. Et les Wizard Sport Club auront extrêmement bien exécuté ce push. Le graviton touche tout le monde, Woolridge a fait peur à la front de Nemesis. Le pneumatique a pris le kill. Le cadet était free juste après, les Wizard Sport prennent la première map. Ah oui, avec 1 minute 40 encore au compteur, c'est très très bien joué. On va voir d'ailleurs le playoff de game de Tel sur son Junkrat.